J'ai servi le dieu de la lumière, Horus, au temps de la peste. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que le Seigneur de la lumière est libre de nouveau. Je sais aussi qu'il va maintenant parmi les vivants, levant une armée des ténèbres pour l'achèvement. Seul celui qui a libéré l'esprit obscur de Seth dispose du pouvoir d'invoquer l'aide d'Horus, dont seule la sublime lumière peut une fois encore emprisonner le Seigneur de la nuit. Par le pouvoir de cette amulette et la force de l'armure d'Horus, que Seth l'immortel soit enfermé pour l'éternité. La toute-puissance d'Horus doit être invoquée à la lumière de constellations éternelles, à l'intérieur du temple caché sous la pyramide sans âge, au cœur de son image de pierre, muni de l'amulette et protégé de son armure. Il reviendra alors pour triompher encore de Seth.